Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler du nouvel événement de Detectives qui est là 6 jours et quelques. Donc on va voir tout ça. C'est environ la même chose que d'habitude, mais on va jeter quand même un œil. On sait jamais. Donc il y a toujours les petites quêtes ici qui ont été faites d'ailleurs, qui sont toujours très très simples, hein, faut juste bien lire. Et là il y a un nouveau système, donc on va voir juste après. Ici les tirages qu'on a habituellement, la petite boutique. Bon, ils ont remis encore une fois le bouton où il y a le nombre de lampes en haut à gauche, et donc je ne vois toujours pas ce chiffre. Donc c'est pas pratique. Alors, on a hop, un petit artefact qui a 200, donc c'est toujours trop cher, sauf pour les gens qui payent beaucoup. Et après, bon, bah, c'est les mêmes choses que d'habitude, hein, skin, etc. Et d'autres petites récompenses. Donc, c'est vrai que très intéressant, cristal d'éveil à avoir, ce serait vraiment très cool. La probabilité est de combien? On va jeter un oeil. 0,15. Oh là là. Franchement. C'est ridicule. Bon, alors. Ici. La même chose que d'habitude. Hop, on va tout donner. Mince. J'ai oublié de mettre utiliser. Voilà. Ça récupère la récompense. Ok, là on aura des lampes. Ouais, rien de bien dingue, hein, comme d'habitude. Ok. Avec un peu de chance, je me dis, bon. Toujours les mêmes prix exorbitants, 140 tirages, 109 euros, c'est un truc de ouf ça quand même. Hein. Un petit classement. Avec des récompenses. D'ailleurs, les bannières sont sympathiques. Et ensuite, toujours une petite récompense pour les gens qui ne payent pas. Alors ici, on a quelque chose d'assez différent. Donc. Je n'ai pas trop regardé encore. Bonus actuel, rien. Promotion. Voulez-vous regarder une publicité pour obtenir un boost de 50% à tous les attributs? On va dire oui. Ok. Maintenant, demander des indices. Pourquoi les indices affrontent et moi? Ok. Donc à mon avis, je me tape quelqu'un dans le... Ok. De mon level, j'allais les dire, mais... Ok, objet pour participer à l'événement de décodage. D'accord. Bonus actuel. Et on a des bonus ici. Bon, on va continuer. Je dois pas être en truc PVP là. Ok, remporter les filles. Ok, là je choisis, c'est ça. Tout ce coup critique, du coup. Ah ouais, en fait, juste avant, j'ai cliqué trop vite. Ok, bon, tant pis. Tant pis parce que j'ai cliqué sur un truc qui était sur mon personnage, donc tant pis. Alors, on va voir jusqu'à où on peut aller. D'accord. Donc, les dégâts de coups critiques, puisque moi, mon perso est axé coups critiques. On continue. Ah. Là, il est possible que je perde. Clairement. On va aller mettre le stuff PVP pour être sûr. Pour le reste des combats. Défaite au combat, oui, c'est ça. Donc, on va hop, ici. On change. On est bon. Et donc, ici, 69. On utilise tout. D'accord. On est parti. Ça fait des récompenses en plus, en vrai. Hein. Mais est-ce qu'à un moment on tombe pas sur des gens qu'on peut vraiment pas battre du tout? Qu'à mon avis, oui. Ok, défaite encore. On va essayer une dernière fois. Et après, tant pis sinon. Ok, là ça passe. D'accord, dégâts de combo. Tu sais que la régénération automatique pouvait être pas mal, mais bon. J'ai pas énormément de PV. Celui-là aussi passe. On n'a pas de limite. On sait pas combien il y en a. Ok, vous avez obtenu tous les indices d'aujourd'hui. Ok, il y en a quand même pas mal des combats. D'accord, bon bah le reste ça change pas d'habitude, alors il y a juste. Il y a juste cette partie décodage. Et tout le reste est.
N'a pas bougé, ils ont juste changé l'esthétique de l'événement. D'accord, bon bah. On n'a rien de. Bon, on n'a rien de dingue, un événement comme d'habitude qui est trop cher et voilà quoi. Donc c'est un peu dommage. À côté, on a hop, ici l'arrivée. Pour. Hop, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est pour les plumes. Ok. On a des récompenses pour les plumes. Ça c'est vraiment cool. Donc on va regarder là. Ah ouais, on peut choisir. D'accord. Et pour les probabilités, on n'a pas un truc pour cliquer. Bon. Je voulais savoir en fait les stats. Ah voilà. On peut pas. Ok. Bon, faut aller regarder dans le reste, mais 0,25. Voilà. 0,25. Plume en fonte. On va aller regarder la plume. Qu'est-ce qu'elle apporte? Plume en fonte. Après le début du combat, chaque déclenchement de la compétence active augmente les dégâts de compétence. 2,5% cumulable jusqu'à 10 fois. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas le meilleur truc du monde. Donc voilà pour cette petite vidéo, vidéo très courte d'un événement bah, qui est nul. Enfin, moi, ces événements-là, je les aime pas. Ils sont trop chers, je trouve, et donc ça vaut pas le coup. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.